Racontez, mademoiselle, racontez. Mais moi, je vous ai déjà raconté tous les potins du village la dernière fois, non? J'adore ces petites histoires, bon. Que toutes les visites que vous nous faites tous les vendredis avant 2 heures. Il me reste encore un peu de temps, mais mon bureau de poste ouvre à 14 heures. Hein. Bon, eh bien, vous avez encore 35 minutes. Hein, mais tâchez de trouver dans vos souvenirs quelques jolies histoires de la semaine. Imaginez-vous que le juge de paix donne un grand dîner. Il a commandé un gigot d'agneau et un vol au vent à l'hôtel de Paris. Ah bon? Et puis comment vous le savez? Mais la cabine téléphonique est si petite qu'on y étouffe. Les gens laissent la porte ouverte. Et moi, j'entends tout ce qu'on dit. Est-ce possible? Oh, mais dites-moi alors, est-ce que vous entendez comme ça des histoires d'amour? Oh, mais j'entends que ça, ma chère amie. Vraiment? Vous savez bien que l'amour mène le monde. Oh, mais comme c'est vrai, ça. J'entends tous les jours des nouvelles histoires d'amour. Des fiançailles auxquelles personne ne s'y attendait. Oh mon Dieu, des fiançailles. Oh, dire qu'il y a d'heureuses jeunes filles qui vont convoler, qui ont trouvé un cœur battant en accord avec le leur. Vous êtes une sentimentale, mademoiselle. Moi, quand j'entends parler de ces choses-là, je me sens toute chavirée. Vous lisiez beaucoup de romans d'amour. Mais je ne lis que ça. Voilà. Et ça me tourne boule. Ah, La princesse de Clèves, le roman de Tristan et Iseult, Roméo et Juliette et tant d'autres. Et oui. Et alors? Mais je ne suis pas si jeune, hein? Je ne suis pas si jeune que ça. Voyons, mademoiselle Ursule, non. Vous n'êtes pas si vieille non plus. Oui, et puis, si ça continue, je vais aller vers le décès pour compte. Et pourtant, mais je suis pleine de tendresse, là. Oh. Est-ce que mademoiselle Ursule ne sait pas de vous marier? Ma sœur, oui. Victoire. Oh, mais alors ça, c'est le cadet de ses soucis, à elle. Comme vous êtes la cadette des deux sœurs, je pensais que... Mais Victoire a tourné toutes ses facultés vers les sports. Je sais, c'est une excellente championne de tennis et flanc. Oui, et puis alors, une patineuse, une escrimeuse, une golfeuse, une nageuse, une chasseresse, elle cumule. Je l'admire. Elle a beaucoup d'énergie. Hein. Ah oui, elle est dynamique, comme elle dit. Ah, celle-ci ne rêve pas, je vous assure. Elle n'est pas fleur bleue pour un sou. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, je t'en... Mais c'est elle, parbleu, c'est elle. Elle ne sort jamais sans sa carabine. Elle tire sur tout ce qu'elle voit, courir, ramper ou voler. Mais c'est très dangereux. Ah ben oui, surtout pour notre porte-monnaie. Elle a déjà payé des sommes astronomiques à des paysans dont elle a tué des chiens, des chats, des chèvres, même des poulets. Oh là 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 là! Que les gens font des histoires! Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle la postière. Tiens, justement, c'est à votre facteur que je viens d'avoir affaire. Qu'est-ce que vous avez fait à notre facteur? Oh, rien du tout. J'ai tiré sur un lapin et le facteur a attrapé un malheureux grain de plomb égaré. Où ça? Dans les parties charnues. Non mais, cet imbécile a crié comme si je l'avais réellement blessé. Vous le calmez, je vais donner 50 francs. Oh. Ça y est, ça y est. Tu ne peux pas t'en tenir aux quadrupèdes, aux oiseaux. Tu t'en sors avec 20 ou 30 francs. Mais là, alors maintenant, si tu t'attaques au facteur, alors... Mais il n'a rien, rien du tout. Il m'a remis notre courrier et il est reparti allègrement. Tu as le courrier. Donne vite, donne. Allez, donne. Donne ce courrier. Oui. Oh là là. Confidence, nous deux. Toujours des fadaises, ma pauvre sœur. Ah, tiens, ça c'est pour toi, le chasseur français, la boxe, le judo. Judo. Tu fais du judo, maintenant? Et j'y suis de première force. Veux-tu que je te fasse une petite démonstration?
concours. Oh. Tiens, voilà encore une lettre pour toi. Mademoiselle Victoire Duval. Ah, mais moi, je pense jamais que vous n'avez pas le même père. Parce qu'ici, tout le monde vous demande, vous appelle si demoiselle de Saint-Andoche. C'est moi qui suis de Saint-Andoche. Moi, je suis Duval. Et ça se voit. Mon père, Claude Duval, était un rude lascar, fort comme un turc et remuant comme un ver de terre. Le mien, le comte de Saint-Andoche, était un poète, un penseur, un amoureux. Oh, je tiens de lui. Oh, c'était un bon à rien. Il a fait de toi une intellectuelle et te voilà bien avancée. Pas fichu de tuer un lièvre ou de pêcher une truite pour le dîner. Vous êtes bien différents pour deux sœurs, je trouve. Oui, il y a quand même la différence d'âge. Je, toi donc, j'ai 64 ans et toi 61. Oui. Bon. Inutile de dire. Eh ben quoi, à nous deux, nous avons coiffé 4 fois Sainte-Catherine. Non. Veux-tu te taire, Radion? Ce n'est plus une coiffure, c'est une permanente. Insupportable, insupportable, je vous assure. Hein? Tiens, Madame Sistite, la femme du notaire, nous adresse une bonne à tout faire. Pourquoi vous cherchez quelqu'un? Mais oui, Mathurine nous a quittés il y a 8 jours pour se marier. Et puis nous sommes sans service. Mais ça nous donne un mal. Un mal de chien. C'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais les 3 repas. Pardon, c'est moi qui? C'est moi qui les mange à l'heure du déjeuner. Tu pousses comme 4. Oh mon Dieu, 2h05, mon bureau qui va s'ouvrir. Au revoir, mesdames. Au revoir. Oh, charmante cette mademoiselle Targette, hein? Charmante! Grâce à sa cabine téléphonique, tout le patelin vit dans une maison de verre et elle en raconte sur tout un chacun. Oui, mais c'est amusant quand même. Mais grande pique, elle en raconte sur nous aussi. Ah, tu crois? Pauvre tourte! Dis donc, as-tu lavé la vaisselle du déjeuner? Non, bien sûr, j'ai rêvé. Oh, moi aussi, j'ai rêvé que tu avais un rude poil dans la main. Mais tu sais que je ne suis pas du tout d'accord avec toutes ces contingences-là. Oh, mais quand c'est qu'on aura vraiment une bonne? Hein? C'est comme dans les contes de fées. Hein? Je crois que ton souhait est exaucé. Ah, tu crois que cette personne-là nous est envoyée par la Providence ou par la femme du notaire? C'est dit bien ici, les mademoiselles de Saint-Andoche. Ici même, c'est nous. J'ai une lettre de la dame du notaire, Mme Sistite. Qu'est-ce que je te disais? Avancez, mademoiselle. Bien, mademoiselle. Merci. Alors, vous nous êtes envoyé par Madame Sistite. Oui, mademoiselle. Eh bien, elle m'a dit comme ça, ces dames du château, elles ont besoin d'une personne active, travailleuse et intelligente. Elle m'a dit, eh bien, va te présenter. Oui, elle me dit qu'elle m'envoie Nastasie la Pépie, une brave fille qui pourrait faire notre affaire. Elle vous dit-tu, Madame Sistite? Oui, bien sûr. Elle me tutaille. Parce que, voyez-vous, elle a sucé le lolo de ma maman quand elle était p'tite. Ah, mais alors c'est votre sœur de lait. Si ça vous plaît à dire, hein? Ça me plaît. C'est pas que ça me plaise ou que ça me plaise pas. Ça s'appelle comme ça, c'est votre sœur de lait. C'est une sœur de lait, si ça peut vous faire plaisir, hein? Les idiotes, hein? Oh, nous ne cherchons pas une lumière, mais une cuisinière. Voyons,
vous savez faire un peu de cuisine. Eh bien, à la fin, c'est moi qui préparais la pâtée pour les lapins. Oui, mais pour les hommes, savez-vous faire la soupe pour les hommes? Oh, mais mademoiselle, ils sont léchés les doigts. Je sais faire l'omelette au lard, les frites, les tripes à la neuchâteloise, les rejetés, la salade au cervelas, tout quoi. Mais c'est trop beau tout ça. Eh bien, nous verrons ça. Nous allons vous prendre à l'essai. Eh ben, je suis bien contente. Parce que m'essayer, c'est m'adopter, comme dit l'autre. Nous vous essayons. Venez avec moi, Anastasie. Je vais vous montrer tout le château. Oh, mademoiselle peut bien tout faire voir, hein. Craignons rien. J'avais en bas de l'ouvrage, moi. Excellente disposition. Suivez-moi, ma fille. Oh, hein, on va bien. Oh là là, je me demande si cette fille-là fera l'affaire. Ah, si je vous disais pourtant que je vous aime. Qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? Ah, ce Musset. Ah. Chère mademoiselle, oh, madame la marquise, mais vous m'avez fait peur. Oh, j'en serais comme une cambrioleuse. Personne pour m'annoncer. Oh, mais nous allons enfin avoir une bonne. Ma sœur est en train de lui faire visiter tout le château. Oh. Vous êtes seule pour le moment? J'arrive en passant, en courant même, car on m'attend à la réunion des dames patronesses. Mais je voulais vous parler en particulier. Ah, vous avez quelque chose d'intéressant à me dire. Oh, très intéressant. Mon fils Homer de Courbouillon, il est arrivé à l'improviste depuis le Maroc, depuis des longs années, où il habite depuis de longues années. Votre fils là, dont vous m'avez tellement parlé. Oui, ma chère enfant, et mon grand désir est de le voir marié, cette horreur de vieux garçon. Et je lui ai écrit bien de fois qu'il ne saurait mieux faire d'épouser une personne. Oh, madame la marquise, cette union me comblerait de joie. Oh, et moi donc, le comte Homer de Courbouillon et mademoiselle Ursule de Saint-Andoche. Oui. On ne pourrait rêver couple plus assorti. Oui. Et je lui en ai parlé d'hier soir. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mère, c'est une originale, un bout d'entrain. Il m'a dit, c'est à voir. Mais je veux d'abord faire contrôler de moi-même. Oui. En fait, il veut étudier le phénomène, hein? Mais c'est moi le phénomène. Oh, mère est très jovial. Et il m'a dit, je veux le faire à ma façon. La voir sans qu'elle sache que je suis. La rencontrer sans qu'elle soupçonne ma présence auprès d'elle. Oh là là, alors ça c'est du Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Et ce matin, il est parti pour toute la journée. Alors, je venais vous prévenir. Vous voulez l'arriver sous une forme ou sous une autre? Homer a toujours fait le comédie du salon. Et le déguisement et le grimage n'ont pas de secret pour lui. Alors, attention, à nous deux, nous aurons ce garçon, ce célibataire endurci. Une femme avertie, oh Dieu, moi je saurais le faire. Madame de Courbouillon. Bonjour, mademoiselle Victoire. Ah non, ma sœur, hein. Elle se moquerait de moi. Je monterai toute la maison à la nouvelle bonne. Oh, je me sauve. Je ne fuis pas devant vous, ma chère petite, mais je viens d'entrer et sortir parce que je suis en retard pour ma réunion. Au revoir, mes chers amis. Au revoir, madame la marquise. Au revoir. Ouvrez l'œil. Alors, c'est Anastasie.
Eh bien, elle est pleine de bonnes intentions. Mais sans Christie, elle est plus bête que nature. C'est vrai qu'elle n'est pas très futée. Pas très futée? Dis plutôt que c'est une gourde. À ce point-là, elle ne m'a pas dit une phrase qui ne contient une bêtise ou deux. C'est au point qu'on pourrait se demander si elle ne le fait pas exprès. Ah. Tiens, imagine qu'une personne intelligente veuille jouer le rôle d'une parfaite imbécile. Elle en mettra trop. Voilà l'impression qu'elle me fait. Eh bien non, comme je te l'ai dit, c'est tout bonnement une gourde. Et même une archi-gourde. Bon, je prends ma bécane et je file au village faire le marché. Elle serait incapable d'acheter ce qu'il faut. À bientôt. Oh là là, un rôle. Quelqu'un qui jouerait un rôle. Oh mon Dieu, est-ce que le grimage et le déguisement n'ont pas de secret pour lui? Oh mais ce serait lui. Mais oui, mais oui, mais c'est ça. Comme sa mère a bien fait de m'avertir. Ainsi, Nastasie serait Homer déguisé en femme. Ah, monsieur le comte Homer, vous voulez m'étudier? Ah, mais au fond, c'est charmant, il y a là, je ne sais quoi, une fantaisie. Ouh, me voilà lancée dans une aventure exquise. Mademoiselle Victoire est point là. Mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez, Nastasie? Eh ben moi, je sais point où ce que c'est là, le truc pour balayer avec la petite boîte à poussière. Oui. Le balai mécanique. Vous ne saviez pas que ça s'appelle le balai mécanique? Connaissons pas ces grands mots-là. Vous exagérez un peu, Nastasie, hein? C'est bien Nastasie que vous vous appelez. Mais comment c'était que mademoiselle voudrait que je m'appelle? Oh, mais vous pouvez vous appeler comme vous voudrez. Je n'ai pas l'intention de vous contrarier. Voyez-vous, je suis bonne fille et je voudrais que tout le monde fût content. Mais ça soit tout de suite que mademoiselle a bon cœur. Ah, mais ça me fait plaisir ce que vous me dites là. Oh, mais je disions ça sans malice. Vous avez l'air d'être une bonne pâte. Que du bonheur. Oh, Nastasie, puisque Nastasie est bien, mon plus grand plaisir serait de vous plaire. Vrai? Oui, et j'aime être admirée par les gens. Et je suis certaine que vous avez un jugement sûr, hein? Comment trouvez-vous? Puis-je plaire à un homme? Puis-je faire le bonheur d'un mari? Ouais! Oh. Boulot, là! Ouais, mademoiselle n'est pas, comme qui dirait, de la dernière couvée, hein? Mais ouais, s'il faut. Peut-être bien qu'elle pourrait s'accorder avec un homme dans les 60-65 ans. Juste son âge. Oh, si celui-là pouvait me plaire. Ah, il ne serait pas malheureux, je vous assure. Mais pourquoi c'était qu'il serait malheureux? Mais bien sûr, pourquoi serait-il malheureux, je vous le demande. Ben oui. Et puis, il n'y a pas seulement l'apparence extérieure, il y a l'âme. Ah ouais? Oui, j'ai une âme de poète et je suis prête à vibrer avec l'élu de mon cœur à propos de toutes ces belles choses, les beaux paysages, les œuvres d'art, les poètes, la belle musique. Oh, sentir tout cela à deux. Et je sens intensément. Oh, ce que je sens. Oh, mais oui, bien sûr. Mais mademoiselle, elles sont très fortes. Cela ne m'empêche pas d'être forte à l'occasion. Si je rencontrais celui qui saurait me plaire, ouais, il trouverait en moi une femme sûre, énergique, sur les bras de laquelle il pourrait s'appuyer et pour gravir le rude chemin de la vie. Allez. Mais pourquoi c'était que mademoiselle raconte tout ça? Mais moi, je comprends rien. Je comprends plus rien. Mais vous êtes sûre de ne pas comprendre?
Mais qu'est-ce que vous avez dit à prendre ce drôle d'air et à me regarder avec des yeux de carpe frite? Oh, je suis peut-être pas très maligne, hein? Mais faudrait quand même pas me prendre pour d'imbécile. Oh, mais rien n'en fera des mordres, hein? Moi, je disais ça pour que vous me connaissiez mieux, que vous vous rendiez compte de mon caractère. Voilà. Voilà, un caractère. Mais qu'est-ce que j'en ai en fiche de votre caractère? Ouais, et puis, qu'est-ce que vous aimez le mieux des deux? Mais qu'est-ce que j'en ai en fiche? Pourvu que j'aie de quoi bouffer et qu'on me brusque pas. Je suis une bonne niche, voilà tout. Écoutez, vous vous donnez beaucoup de mal pour peu de choses. Et puis vous vous lancez dans une expérience qui va pas pouvoir continuer. Vous voyez bien que je sais tout, hein? Et alors arrêtez cette comédie. Mais tout quoi? Mais quelle comédie? Réfléchissez. Baissez votre masque. Homer. 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 Ah, Homer. Homer. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire avec son Homer? Oh, mais moi, mais... J'aime pas ça, mais j'aime pas ça du tout. Je traite ça. Moi, je crois bien que cette mademoiselle Ursule, elle est un peu timbrée, hein? Mais moi, Nastasie, je reste pas en place là où qu'il y a un dingo. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, vous êtes là, ma fille. Ben ouais, ça tombe à merveille. Oui. Attrapez-moi ce panier. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le dîner. Oh, non, tu peux. Bien, mademoiselle, mais franchement, je voudrais demander à mademoiselle, c'est quoi, Homer? Comment? Parce que l'autre, mademoiselle, votre sœur, elle vient de m'appeler Homer. Homer? Et moi, j'aime pas ça du tout, hein? Du tout. Vous vous trompez certainement, ma fille. Homer est le nom d'un poète. Et vous ne faites pas de vers, je pense. Pour ça, je ne peux pas dire non, hein. Ha! Ça m'y arrive une fois. Oui. Et notre docteur, il m'a donné... Mais comment ça s'appelle déjà? Rappelez-vous, vous ne savez pas. Ah oui! Un vermifuge! Tenez, taisez-vous! Vous êtes vraiment trop idiote! Emportez tout ça à la cuisine et occupez-vous du dîner! Oh, oh, bien, maman, bien, oh, bien, oh, ah, quel numéro! Oh là 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 là, nous voilà bien lotis! Oh, la crise des domestiques! Ah, mon Dieu, mon Dieu! Ah, vous voilà, mademoiselle, chère mademoiselle! Vous semblez bien émue, mademoiselle la postière. Il y a de quoi, il y a de quoi. On m'a demandé d'aller, de vous avertir d'urgence. Mais de quoi? Imaginez-vous qu'il s'agit d'un voyou qui va chez tout le monde. Oh, un voyou qui va chez tout le monde? Oui. Et comment il s'appelle ce voyou? Eh ben, il s'appelle Coco la dent creuse. Ouais. Quel nom! Il va dans toutes les fermes et puis il va aussi dans les propriétés et il cambriole tout ce qu'il trouve. Ouais. Oh là 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 là! Oh! Oh oui, c'est sûr! Et puis, vous savez, en plus, c'est un gars très corpulent comme un turc et malin comme un singe. Hein. Et puis, il paraît qu'il se déguise même en femme. Voyez-vous ça? Ouh, ouais. Il se déguise en femme? Oh là! Oh, ben oui. Oh. Je vois ça. Et puis, il illusionne. Il y a même des gens qui sont laissés prendre. Hein. Oh là là là. Bon, je me sauve. Faut encore que j'aille au château de Barberiche. Je vous aurai averti. Vous avez compris? Oh, oui, oui, j'ai compris. J'ai compris. Oh, mais. Là, ils viennent. Oh,
parlé, dites-moi. Dites-moi, depuis ce matin, je te cache quelque chose. Mais tu me connais, j'arrive pas à dissimuler. Oui, le mystère n'est pas ton affaire. Ton nez, remue tout de suite. Oui, et puis en ce moment, alors il s'agite terriblement. Hein. Figure-toi, ma bonne Victoire, que je songe à... Vas-y. À me marier, voilà, ça y est. À te marier. Oui. Oh bon, vaut mieux tard que jamais. Ah, voilà. C'est tout l'effet que ça te fait. Hein. Tu ne veux pas que je tire un feu d'artifice. Tu veux te marier avec qui? Eh bien, avec un original qui veut étudier les gens. Et puis à ce sujet, je voudrais te dire quelque chose d'amusant. Oui. Nastasie, tu sais Nastasie? Oui. Eh bien, j'ai la conviction que Nastasie est un homme déguisé en femme. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, quand on la regarde bien, puis qu'on a cette idée dans la tête, là, ah ben il n'y a pas de doute, hein. Et puis toi, tu me disais tout à l'heure qu'il fait la bête exprès. Oh, sapristi de sapristi, tout c'est clair. C'est certainement un prétendant. Pauvre tour, un prétendant. Laisse-moi rire. C'est bien pire. Mais il va voir de quel bois je me chauffe. Il va faire la connaissance de Victoire Duval, champion en tout genre. Mais tu ne vas pas, il ne va pas décourager un homme qui est disposé à m'épouser. Nastasie, mais un amoureux? Oui. Pauvre petite, mais c'est un bandit, un voleur, un assassin. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, vous voilà, appelez, mademoiselle. Ah, vous voilà, vous. Ah ouais, me voilà, quoi. Regardez-moi un peu dans l'œil. Mais je vous regarde. Ah, inutile de prendre l'air d'un veau qui regarde un train de marchandises. Je te connais, mon bonhomme. Comment? Bonjour, Coco, la dent creuse. Comment vous m'appelez? Pardon, non, mon gaillard. Tu ne t'attendais pas à être démasqué comme ça, hein? Et puis, pas un geste. Les mains en l'air. Mais je veux pas. Je parle français. Les mains en l'air. Ah, à la bonne heure. Tu es fait, Coco, la dent creuse. Ta carrière est finie et tu vas retâter de la prison. En prison? Moi? Ah! Voyons si tu as des armes sur toi. Silence! Mais vous me chatouillez, silence! Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Une passe de judo, mon garçon. Sportive, ce n'est pas de veine, hein? Non, mais les folles, qu'est-ce que ça fait mal? Non. Maintenant, recule. Maintenant, obéis et recule. Non, je veux pas. Et avance plutôt. Avance. Ursule, ouvre la porte de l'armoire. Et toi, mon coco? Non. Entre dans l'armoire. Je veux pas. Je t'y enferme et j'en vais chercher les gendarmes. Alors, embouche le feu. Oh, les gendarmes. Plus vite que ça. Oh, les gendarmes. T'es bien sûr que c'est un gangster. Et un des plus dangereux. Je prends ma bécane et je file à la gendarmerie. Mais t'es sûr que ce n'est pas ce que je t'avais dit? Un prétendant? Oui. Laisse-moi rire. Tu n'as donc pas vu sa face patibulaire? Nous sommes sauvés grâce à mon énergie. Toujours pas de bonne pour m'annoncer. Elle est là. Elle est dans l'armoire. Trop guidée. Ma chère, Homer est revenu. Mais il m'a expliqué qu'il ne voulait pas se marier. Oh,
Alors tu avais raison. C'est pas un prétendant. Hein? Ah, c'est bien Coco la dent creuse. Je dis qu'un repris de justice échappé est enfermé là, dans l'armoire. Dans cette armoire. Mais ne craignez rien, c'est bien fermé. Il s'est présenté à nous déguisé en paysanne. Oui. Et est entré à notre service comme bonne à tout faire. Sous le nom de Nastasie la Pépie. Oh, Nastasie la Pépie. Tu la connais. C'est une fille de Filas sur Clan, pas loin d'ici. Si vous me la montrez, je vous dirai. On va vous la montrer. Mais si c'est un voleur. Mais ne craignez rien, c'est bien fermé. C'est bien fermé. Je mets en vous. Ursule, ouvre la porte de l'armoire. Alors, Coco, montre ton nez. Alors, c'est bien Nastasie la Pépie. Oh, mais ma mère marquise, ne dites-lui que je suis pas un gangster. Je la connais depuis sa naissance. Oh, Nastasie, Vivian Maldon, vous restez à votre service. Oh non, merci beaucoup, hein. Moi, je reste en poche et dépiqué. Il y en a une qui m'appelle Homer, l'autre qui m'appelle Coco. En plus, on me flanque des marrons à moi, Nastasie. Allons, finis la comédie. À nous deux, mes belles dames. Recule! Recule! Allez! Recule! Allez! Et voilà d'une! Elle est où la mademoiselle Ursule? Oh! Elle se cache là, la salle des douches! Allez, on y va! On va voir Homer! Homer! Allez, là, 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 là! Allez, c'est parti, mon kiki! Parle, parle! Allez, on y va! Vite, on va au placard! Allez! Faut avoir peur, madame la marquise. Il n'y a pas de problème. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, tout va très bien. Voilà, madame, monsieur, vous avez, j'imagine, avec un plaisir incroyable assisté à la transformation des décors, y compris au démontage du fourneau, quel tuyau qui n'est pas dans le bon sens. On fait ce qu'on peut.
voilà, je vous présente la deuxième pièce qui s'appelle L'âne et les trois comètes. Ça, c'est une farce paysanne, comme vous aurez l'occasion d'en voir une dimanche prochain, parce que ça se joue, mais sur l'autre scène, donc il faudra tourner les chaises dans l'autre sens. C'est pas nous qui jouons. L'âne et les trois comètes, donc une pièce qui a été écrite au début du XXe siècle, dans les années 20-30 par là, et qui fait la part belle aux femmes en les méprisant quelque peu. Donc je voulais vous avertir, mesdames, vous allez avoir à souffrir un petit peu pendant cette pièce. La question que nous nous sommes posée, c'est est-ce qu'on peut rire de tout, est-ce qu'on peut rire de la manière dont nous autres, les hommes, traitions nos femmes en 1920, je m'en rappelle fort bien, n'est-ce pas? Et on n'est pas vraiment fiers de ça. Mais enfin voilà, on peut rigoler de ça aussi, on a passé cet âge-là. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette pièce dont le principal personnage est un âne que vous verrez apparaître parfois dans la scène. Et ces trois comètes, ben, qu'est-ce qui se passe? Monsieur part au marché à Bulle pour aller acheter, vous verrez bien quoi. Sa femme profite d'inviter des copines malgré tous les avertissements de son homme. Et puis, voilà, vous verrez, ça va un petit peu mal tourner. L'âne et les trois comètes sous vos applaudissements. Et surtout, écoute-moi bien, la Dorothée, n'oublie pas de faire un pâté de notre cochon. Donne-lui du tiède, rapport au froid. Oui, mon homme. Gaspard, t'as mis une bonne couche de paille dans la carriole, rapport aux petites bêtes qu'on ramènera. Oui, 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 patron, j'ai mis une couche comme ça. Vas-y doucement, en mettant le poulain au frais. Et flatte-le un peu, oh. Oui, mon homme. Gaspard, patron, t'as pas trop serré la courroie du cheval? Ah, il est si chatouilleux. Non, patron, mais je suis encore harnaché le grelot. Remplis pas trop la mangeance des vaches, car tu leur donneras le foin. Sois tranquille. Ouh, mais ce que t'es des fois si négligente. Et surtout, femme, que les voisines ne viennent pas batoyer par ici. Tu sais que je veux pas de l'agate et de la pétronille par ici. Comme disait mon grand-père, trois femmes dans une maison, et c'est la foi rassurée. Si tu crois que c'est drôle de rester seule à la maison. Oh, comme disait tante Ernestine, Pierre qui roule ne masse pas mousse. Toi, tu roules bien dans les foires. Oh, écoute-moi bien, la femme. Si je vais aujourd'hui à la foire de Bulle, c'est pas pour mon plaisir. C'est pour acheter des petits cochons. Alors, ne respecte plus. On te ramènera un petit cadeau. Oh, apporte-moi un joli tablier avec des rubans à la ceinture. Oui, 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 je suis bien disposé. Passe-moi cette bourse, que j'y prenne un écu. Tu vois, si je suis généreux, et cache-moi bien cette bourse, car il ne faudrait pas trop épuiser. Cette fois, Gaspard, il nous faut loin si on ne veut pas trop se bousculer. Et rappelle-toi bien ce que je te dis. Écoute, ferme la porte au nez de l'agate et de la pétronille, sinon garde à tes épaules. Comme disait mon frère Nestor, les femmes, c'est comme les salades. Plus on les secoue, meilleur elles sont. Peut-être on finit avec des proverbes d'almanach. Oh, ce pas des proverbes d'almanach. Si je suis l'homme le mieux causant de tout le district, c'est à cause que j'ai profité de l'expérience des anciens. Et que je parle comme eux, je pourrais t'en raconter jusqu'à demain pour t'éduquer.
Écoute bien celle-ci. Patron, celle-ci, je pourrais la raconter. Il la connaît. Avec toi, Gaston, non. On n'arrivera jamais à Bulle. N'oublie pas de fermer le portail de la cour à cause des jeunes poulets. Sois tranquille. Ouais, je crois que cette fois j'ai tout dit. Qu'est-ce que vous pouvez parler sans cracher longtemps, patron? Ah, c'est une peu chose que l'instruction, mon gars. Il s'agit d'écouter les anciens et de parler comme eux. Allons, partons. Voir si le beau temps va durer. Ouh, mais ça m'étonnerait. Préparer la pâte du cochon, faire la soupe, donner à manger aux bêtes. Voilà la vie des pauvres femmes. Dorothée. Ah, quel bonheur, c'est la boîte d'un gâteau. Quoi, on lui ouvrir? Bien la Dorothée. Mais je viens de voir votre homme qui s'en allait à la foire. Alors, il m'est venu l'idée de venir vous divertir un peu pendant qu'on était seul. Toujours des bonnes idées, voisine. Justement, j'avais envie de pleurer avec tout le boulot que j'ai par là. Les vaches, le cochon, le poulain, les volailles. Mon homme, il en finissait pas avec ses recommandations. Mais laissez-moi rire, mes pauvres petites. Envoyez-moi promener tout ça. Est-ce que vos bêtes iront dire à votre homme qu'elles n'ont pas mangé aujourd'hui? Elles feront ceinture comme les miennes. Un jour de jeûne, ça leur purge le sang. C'est que Mathieu m'a bien recommandé de ne laisser entrer personne chez nous. Est-ce qu'il le saura? Mais que dalle! Et devinez-moi ce que j'apporte dans mon panier. Oh, un gâteau, j'imagine. Vous les faites si bien. Tout juste, ma petite. Oh, une tarte aux pommes. Tout ce que j'aime. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Oh, je l'avais bien caché dans mon panier. Rapport aux langues des gens. Le monde est devenu si mauvais. Et ce n'est pas tout. La pétronille arrive derrière moi. Oui, la voici, justement. Eh, bonjour, voisine. Et cette petite dame qui est toute seule. Mon homme est parti, lui aussi. On va se faire un de ces petits repas bien soignés. Comme dirait Mathieu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Vous portez encore un gâteau? Mieux que ça, ma fille. Est-ce que la pétronille n'est pas demandée dans toutes les fêtes et les repas de noces? Ou rapport à son pâté? Oh, ce pâté! Une merveille! Et il sent aussi bon qu'il est beau. On en avait commandé plusieurs pour une noce. Alors j'en ai détourné un. Je n'ai pas économisé sur la marchandise. Du petit jeune lapin. Du porc gras comme un député. Du veau tendre comme une demoiselle. Et de la girofle. Et du laurier. Et du persil. Et des petits oignons. Mais tais-toi, J'en ai des crampes d'estomac d'impatience. Moi aussi. Vite, te mets ton couvert. Aidez-moi, voisine. Je l'avais caché bien au fond de mon panier. J'avais tellement peur que les gens le sentent sur mon passage. Mais en ce si curieux, tenez. L'Ernestine, elle me regardait passer derrière son rideau. Oh, mais quel malheur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de vin. Alors moi, je n'ai pas pu en prendre. C'est mon homme qui tient la clé de la cave. Et il ne la lâche pas si facilement. Ne vous en faites pas. Moi, je sais où Mathieu met la sienne. Il ne se méfie pas de moi, je ne suis pas buveuse. Donc, est-ce qu'on est des ivrognesses, nous? Allons, ne vous fâchez pas. Il y a dans le fond de notre cave
du vin bouché dont vous me direz des nouvelles. Bien joué, voisine. Sans moi, si j'avais rien dit, on se passait de vin. On lui fait faire ce que l'on veut à cette innocente. Ah oui, du tonnerre. C'est l'orage. Oh là là, il pleut déjà des grosses gouttes. Non, mais c'est pas vrai. Des trompes d'eau pareilles. Le ciel qui nous tombe sur la tête. Bon, en tout cas, on est bien mieux dedans que dehors. Et c'est Dorothée qui est allée chercher du vin. Ah, eh ben la voilà qui arrive, justement. Qu'est-ce qu'il pleut? Rien qu'à pas être là pour aller à la cave. Je suis planté. Ça m'a l'air du bon, ça. Regarde-moi voir ça. Eh ben, dis donc, elle nous gâte, la Dorothée. Hein. Eh ben, dis donc. Voilà. Je ne veux pas être pareille. C'est le jambon qu'on a entamé hier. Ça nous mettra en bouche pour le papy. Mais moi, j'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon, c'est bon. Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime... On frappe à la porte. Il peut bien venir à cette heure. Hé, hey, ma petite dame, ouvrez-moi pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, un abri pour moi et mon compagnon. Est-ce qu'on laisse des chrétiens dehors par un temps pareil? Oh, ma chère, ne laissez pas entrer ici ce vagabond. Hé, la mère, je ne suis pas un vagabond. Je m'en vais vendre mes paniers à la foire à Bulle. Mais par l'orage qu'il fait, je vois plus mon chemin. C'est des inventions. L'autre jour, dans le journal, il y avait deux femmes assassinées par un cheminot de passage. Je ne peux pas ouvrir, on le défend au sol. J'en demande pas plus. Dis-lui qu'il y a la fièvre afteuse. On ne peut pas entrer à l'écurie, il y a la fièvre afteuse. C'est même pas vrai, il n'y en a pas dans le canton. Et ouvrez donc le diable. Mais diable vous-même, mais passez votre chemin. Il y a une meule de paille un peu plus loin. Et la paille, ça tient chaud. Maudite sorcière, et toi, femme sans cœur, Dieu te punira. On aurait quand même pu ouvrir l'écurie à ce pauvre garçon. Jamais on n'a vu un temps pareil. Pour qu'il nous entende. Non, 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 non. Ça gâterait notre dîner. Ce jeune, ça peut supporter la pluie. Fameux votre vin, ma pauvre. On dirait du velours qui coule sur l'estomac. Ça réchauffe par où ça passe. C'est vrai que ça fait sacrément du bien. Un régal, ce jambon. Mais alors, qu'est-ce qu'il donne soi? Buvez, voisine. Reprenez une tranche de jambon. À la santé de nos hommes. N'ayez pas peur. Ils se la coulent douce pendant que leur pauvre femme se crève au boulot. Alors ça, ça bobisse trop, hein. Mais quand ça revient, as-tu fait ci? As-tu fait ça? Bâtir les vaches, apporte du bois, viens décharger la voiture, conduis le cheval d'entrée.
à ne plus en finir. Et malgracieux, et contredisant, on a beau faire de la très bonne cuisine, c'est toujours le même refrain. Ma mère faisait la soupe mieux que toi. Je sais pas ce qu'elle mettait dedans, mais le goût, il était bien meilleur. Ma mère était une femme d'homme. Ma mère par-ci, ma mère par-là. Et si on riposte, c'est des explications à ne plus en finir. Quand ce ne sont pas des coups. Le mien, il ne me bat pas, mais ce qui les râpe. Et quand il se met à prêcher, pire que notre curé. Je vous dis, on est des esclaves. Buvez, voisine, ne vous gênez point. Il est malicieux, votre vin. Moi, je me sens toute gaie. On a envie de chanter. Alors, en avant la musique, chantons. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup. Et se passer si on le découpait. Chantons encore un couplet. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est... Taisons-nous. Mais c'est comme qui dirait un bruit de grelot. C'est une carriole. Ciel, je parie que c'est mon homme. Mais il va faire un malheur. Misère, vous nous cachez. Là, dans la voie. Ne perdons pas la tête. Se pâter, où le mettre? Dans le four. Que ferait des bouteilles? Sous la fenêtre. Et la tarte. Dans le buffet. Rangeons la vaisselle. Les services. Les verres. Le jambon. Les verres. Un bel orage. Pou, 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 pou. Pour un bel orage, un bel orage. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon homme? On a été pris par l'orage en sortant du village. Gaspard voulait qu'on s'en retourne. Ben ouais, j'avais peur d'être pulvérisé par ces éclairs qui nous brûlaient les l'œil. Et fouette cochée. Voilà que le vent faisait craquer la capote. Les arbres se couchaient en travers du chemin. Et la pluie se met à tomber. Comme disait le parrain Philémon, petite pluie à bon grand vent. Pas du tout. Ça ruisselait partout, ça gargouillait le long de la route. Lorsqu'on arrive au-dessus du bois des pendus, voilà qu'un grand foyard était tombé en plein milieu. Plus moyen de passer. Plus moyen de passer. Et on est revenu
Voilà. Et toi, mon homme, viens dans la chambre, mettre des habits secs et tes pantoufles, pendant que je te ferai un bon bain chaud et puis... Bon, oh, c'est toi la femme, comme disait le parrain. Non, mais le parrain, Philémon, ventre affamé n'a point d'oreille. J'ai une de ces fins de loup, mais tu es couvert. Et apporte-nous notre jambonnière. C'est que le jambon. Eh bien, ce jambon. Le jambon, il n'y en a plus. Tu ne l'as plus. Mais où est-il? Parleras-tu, petite sotte? Je l'ai mangé à midi. Tu l'as mangé à midi? Eh ben ouais, j'avais tellement faim avec tout le boulot que j'avais par là. Les vaches, le cochon, le poulain, les volailles. J'étais si fatiguée, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Mais ça, j'ai pas tombé malade. Mais t'as bien fait si t'en avais besoin, mais quand même, on en aurait mangé pendant deux jours. Ah ben ma vieille, t'as un fier appétit. Mais ne pleure pas! Il reste du vacherin? Alors apporte-le! Et avec une bouteille de piquette! Oh! C'est pas croyable! C'est pas croyable! De Dieu! L'eau m'en vient à la bouche, assiette, cuillère, service, s'il vous plaît. Gaspard? Oui. Va voir. Qui c'est? Mais moi je n'ai pas dit, c'est qui? Va ouvrir. Courage, allez. Va ouvrir. Puis-je m'abriter un instant chez vous? Malheur, le cheminot! Mais entrez. Mais entrez donc, jeune homme. L'orage vous a surpris aussi. Ah, vous parlez d'une drogue. Moi, je suis trempé. Mais pourriez-vous loger aussi mon compagnon? Ah, comme disait mon cousin Anatole, là où il y a pour un, il y a pour deux. Amenez votre compagnon. C'est un compagnon à quatre pattes. C'est lui qui porte ma marchandise. C'est mon âne, je suis marchand de panier. Gaspard, va voir éclairer l'écurie et mettre une boîte de paille pour cette âne. Oui, patron. Et vite, allez. Allons, l'ami, on va aller mettre votre âne à l'écurie. Misère de moi, qu'est-ce que je vais devenir? Vous n'êtes pas trop à l'étoile là-dedans? T'es content, mon garçon? De la bonne paille fraîche. Ah. Et tu dis qu'elle est... Non, mais vous lui parlez comme un homme à votre âne. Mais c'est mon ami. Depuis des années, on est toujours ensemble. Ouais. On se quitte pas. Ah, fait bon d'être au sec. Allez, venez manger un morceau. On n'est pas riche, mais c'est offert de bon cœur. Comme disait la tante Coralie, mieux vaut une main pleine d'amour que de richesse plein le four. Vous avez en effet une gentille petite femme. Ah, on n'est pas trop mal accordé. Comme disait le voisin Louis, il n'est si vilain pot qui ne trouve couvercle. Figurez-vous qu'elle a mangé tout le jambon à midi. Il reste plus que du vacherin. Le vacherin, mais c'est mon régal. Si vous voulez m'en donner, je saurais bien le manger. La belle aventure au guet, la belle aventure. Eh ben, vous êtes joyeux, l'ami. Ah, mais moi je chante souvent et nous chantons tout le long du chemin, cadet, moi. Ça abrège la route. J'habite à Nirlay-les-Bois l'hiver. Je fais mes paniers. Et dès que le printemps est là, ben nous voilà à travers tout le canton. Mais alors c'est un beau métier. Oh, coup c'est tout ça, hein. Ainsi aujourd'hui j'ai manqué ma vente, puisque l'orage m'a arrêté comme j'allais à la foire à Bulles. Mais comme je trouve ici de bon cœur, un bon feu,
et peut-être un bon repas, eh bien, tout ça, ça va beaucoup mieux. Cadet qui veut me parler. Savez-vous ce qu'il vient de me dire? Non, mais il a une araignée dans le plafond. Il me dit qu'il y a un pâté dans le four. Non, mais des fois, tu fais ma tête ou quoi? Un pâté dans le four? Vas-y voir, la Dorothée. Allez, allez. Oh, mais c'est pas croyable! C'est pas croyable! Oh, de Dieu! Nous, on m'en vient à la bouche! Aïe, 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 cette croûte dorée, mais ça se coupe comme du beurre, comme du beurre. Encore un. Tiens, l'ami, tiens, Gaspard, t'as la femme, t'as mangé tout le jambon à midi, tu n'as pas besoin, ça te chargerait l'estomac. Fameux, ce pâté. C'est une fille cuisinière qui a fait ce pâté-là. Quand tu en feras comme ça, femme. Dis donc, l'ami, on pourrait pas en donner une tranche à ton âne pour sa récompense. Mais il l'aime pas. Il préfère l'avoine. Gaspard, va avoir donné un picotin d'avoine à cet âne. Vite, là. Un peu de piquette, l'ami. De la piquette pour arroser un pâté comme celui-là? Qu'est-ce que t'en dis, cadette? Me voilà qui va encore dire quelque chose. Taisons-nous! Taisons-nous! Cadette me dit qu'il y a des bouteilles sous la fenêtre. Vas-y voir. La Dorothée. Oh, mais c'est pas croyable! C'est pas croyable! Chose pareille! J'en reviens pas! Gaspard! Nous t'avons pas avoir donné un picotin d'avoine à cet âne. Oui, oui, patron! Pour avoir appris à aller. Oui, patron, comme d'habitude! Pour du bon, c'est du bon. Et cette couleur, de l'or en bouteille. Plein. Oh. Santé. Un nectar. Ah, il est malicieux, je vois. Je me sens tout gai. J'ai envie de chanter. Boire un petit coup, ce cadeau. Boire un petit coup, c'est doux. Mais tu ne faut pas. Tiens. Cadet veut chanter aussi. Non, Cadet n'a pas encore dit tout ce qu'il sait. Taisons-nous. Taisons-nous. Cadet me dit. Il y a une tarte dans le buffet. Une tarte. Une tarte. Hé, hey, Dorothée, vas-y voir. Vas-y voir, la Dorothée. Oh. Bien tarte, ma foi, et bien dorée. Quand tu en feras comme ça, femme. Mmh.
Tiens, prends un morceau pour voir comme c'est bien fait. Quand même. J'espère bien. Allez, dis merci au moins. Dis donc. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas naturelles là. Ah. C'est pas naturel. Il y a de la diablerie là-dessous. C'est-à-dire? C'est un sorcier. C'est un sorcier ton âne, mon garçon. C'est un bon sorcier. Il ne cherche qu'à faire le bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est copains tous les deux. Ah bon? C'est qu'il y a des mauvais sorciers, des fois. Oui, chez mes parents, il y avait un qui était rentré à l'écu-cu, à l'étable. Il avait jeté un sort à nos vaches. Il sautait noir comme du charbon. Ouais. Faudrait pas qu'on ait chez nous. Alors. Oh, il y en a peut-être bien. Je vais demander à Cadet. Est-ce qu'il y a des sorciers par ici, Cadet? Tu vois? Il y en a. Aïe, 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 aïe. Des fois qu'il serait dans l'écurie. On va demander des explications à Cadet. Cadet me dit que dans l'armoire, il y a deux sorcières et qu'il nous faut prendre un bon gourdin pour les chasser. Vite, Gaspard, apporte-lui un bâton. Et prends le tien. Oui, oui, bâton, vous pouvez compter sur moi. Mais mon homme. Ou vous dites, ou sinon ce bâton va te taper les épaules. T'as vu, Gaspard, comme elle se sauvait? Il y en a une qui ressemblait drôlement à cette teigne d'Agathe. Et puis, à celle que j'ai frotté le dos, elle criait comme la pétronille. Des fois qu'elle serait sorcière. Tu vois, femme, que j'avais raison de t'interdire de les fréquenter, hein? Je crois qu'elles ont dû s'envoler vers le Moléon. Il y en a beaucoup qui font le sabbat par là-haut. Les sorcières chez nous. Ah ben, on peut dire que tu nous as rendu un fier service, l'ami. Allons, l'ami, viens t'asseoir, finir cette tarte et surtout vider les bouteilles. Merci. Mais juste un verre. Et puis, je tâche d'aller en revendre mes affaires. Allez, à votre santé. À la tienne. Et à celle de Cadet. Mais, faudrait pas que t'aies perdu ta journée. Ah. Ouais, je voulais acheter un cadeau à ma femme à la foire. Oh. Un tablier de soie. Oui. Ça sert à rien. Oh. Des paniers seraient bien plus utiles. Refilez-en moi une demi-douzaine. Mais mon homme. C'est à la femme. Comme disait le cousin Anatole, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu sauras bien pourquoi les employés. Voilà, ma petite dame, de quoi monter votre ménage. Voilà,
agréable. Mon petit trou, c'est du mon petit trou, tralala. Mon petit trou, tralala. Mon petit trou, c'est du. Mesdames et messieurs, encore merci pour vos applaudissements. Vos applaudissements, c'est une nourriture que nous, à notre âge, on digère très très bien. Je vais vous présenter les acteurs et les actrices de la troupe de théâtre des 4 heures. Comme je suis extrêmement galant, on va commencer par les actrices. Marie-Michel Andoni. Thérèse Bourqui. Arlette Clément. Marie-Étienne. Marie-Claire Gabaglio. Libre dans la salle. Raymond Duguenot. Liliane Morandi. Ellie Vandenroer, notre. Et dans l'âne, l'irremplaçable Myriam Humbert. Les acteurs Bernard Meuvelin. Pierre-Yves Morin. Ce derrière là-bas, c'est qui ça? C'est vous là qu'on a déjà annoncé au début? C'est Gaspard. Marcello Musi. Décor Michel Morlet. Et maintenant, l'apogée de toute cette organisation, régisseur, décor, metteur en scène, François Ménétret. Oh! Un grand merci à tout le monde pour vos applaudissements et peut-être rendez-vous à une prochaine et une très bonne rentrée dans vos foyers. Merci. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci beaucoup à la troupe de théâtre. C'était vraiment super. Bravo pour la performance. Puis maintenant, restez encore un petit peu parmi nous. Il y a un petit apéritif qui vous est offert. On va enlever les trois dernières rangées de chaises et puis on va se tenir un peu sur le fond. Pas croyable.